C'est bien, car dans quelques instants, ce sera le bazar ici. En effet, cet opéra commence dans une cour de récréation. Dans l'obligation d'annuler votre visite de notre établissement demain. En effet, une conduite de gaz dans la rue a explosé et de lourds travaux sont prévus condamnant toute la circulation autour de l'opéra. Croyez bien que nous sommes désolés de cet état de fait. Pour nous aussi, la situation est compliquée. Car seul un accès par l'entrée des artistes est possible. Cette entrée est réservée au personnel de l'opéra et à l'équipe de la production. Laquelle production, vous le savez, débute demain soir. Nous espérons que tout sera réglé d'ici là. Vous avez compris ? Ils disent qu'il y aura des travaux, mais c'est pas complètement annulé, si. Malheureusement, nous n'irons pas à l'opéra. Eh, mais c'est le titre de notre spectacle. Bon, allez, ce n'est pas grave. On trouvera quelque chose à faire demain. De toute façon, on verra demain. Ne faites pas grisme. Grise, grise, mie.
Monsieur Wagner. Notre chauffeur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Wagner. Va nous accompagner en forêt. Dites bonjour à monsieur Wagner. Bonjour, monsieur Wagner. Bonjour, les enfants. Yeah.
Très bien, on n'a pas du tout besoin de vous, vous pouvez aller vous asseoir là-bas. Merci. Alors, on est fait un peu tout ça dans le désordre, j'espère que vous ne serez pas trop perdus. Nous en étions à la scène de la forêt, acte 2, scène 2. Vous allez faire des écureuils. Oui, très mauvaise idée. Non, ah oui, voilà. Inspirez. Expirez. Inspirez en pensant que vous êtes un arbre. Au fond de vous, vous êtes un arbre. Expirez. Allez, on refait. Voilà, voilà, voilà. Bah, allez, les arbres. Oui, voilà. Très bien. Les arbres dormeurs. Les arbres tristes. Les arbres fous. Oui. Très bien, oui! Vous pouvez les aider si vous voulez, hein. Faites les armes. Allez, allez. Oui, très bien. Très bien, oui. Excusez-moi, Marie-Laure, on n'a toujours pas besoin de vous. Merci, vous pouvez vous asseoir là-bas. Merci, voilà. Allez, il faut que ça pousse par les oreilles, là, les branches. Oui, très bien, très bien. Allez, allez. Et le vent dans les feuilles. Allez, faites les feuilles aussi. Voilà, voilà, très bien. Qui dit arbre dit forêt. Et qui dit forêt dit... Oh, 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 oh
19h. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure sur le plateau. La représentation est à 20h pile. Déjà 19h, on n'a pas vu l'heure. Nos parents à nous chercher partout. Déjà 19h, il va faire peur. Tout le monde doit être au calme sans coup. Déjà 19h, on n'a pas vu l'heure. Nos parents à nous chercher partout. Déjà 19h, il va faire peur. Tout le monde doit être au calme sans coup. Cela fait un moment déjà. Thank you.
La maîtresse a fait une erreur en nous emmenant à l'opéra. Le directeur a dit « Faute grave ». Les parents d'élèves ont dit « L'inspectrice de l'éducation nationale a dit « La conseillère pédagogique en éducation musicale a dit « Mais c'était quand même un joli projet !» La maîtresse a été renvoyée. Nous ne l'avons pas revue. Ce qui n'a pas été du tout du goût des enfants. Voilà.
Donc, le spectacle s'achève. J'espère que vous avez toutes et tous passé un agréable moment. Et je vous remercie encore pour votre attention. Nous pouvons féliciter tous les enfants et leurs enseignants. Et vous surtout, Madame Grosquière, qui se sont découverts une passion pour le théâtre et l'opéra. Merci aussi à mes collègues de CP et de CE1, Madame Bouin et Monsieur Franchet. Je tenais aussi à remercier Monsieur David Millet qui s'est occupé de la sonorisation. Et Monsieur Rex qui est à la vidéo. Merci. Et puis, tout particulièrement, Patrice, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser le spectacle de l'hiver. Merci, merci, merci. Monsieur Dumont a quelque chose à nous dire, je crois. Merci, c'était très bien, mais c'est ma scène et nous avons un spectacle à répéter. Alors si ça ne vous dérange pas, je vous demanderai de descendre, s'il vous plaît. Par ici. À vous pas question, ce soir nous chantons, nous ne touchons pas de l'opéra. D'abord les parents qui nous attendront, nous viendrons arriver, ils viendront là. Ah oui, nous restons, ce soir nous chantons, nous ne touchons pas de l'opéra. D'abord les parents qui nous attendront. J'espère avoir donné tout aux enfants sur la musique, puisque c'est pour elle que je suis là avant tout. Je
pour donner le plaisir à nos filles qui nous accompagnent toute la vie et qui, dans le moment dur, sont très présents quand on est dedans. Ça nous aide beaucoup. Je vous conseille tous de faire de la musique. C'est un moment qui réjouit le cœur et c'est rare aujourd'hui. Merci beaucoup. Les enfants, souhaitez me dire quelques mots, Baptiste, donc ils vont prendre le micro. La musique, c'est un ami, mais le plus important, c'est celui avec qui on la partage. Tu vas partir, mais tu resteras toujours dans notre cœur. Tu vas partir, les oiseaux ne chanteront plus. Toutes les chansons que tu nous as apprises, elles viennent de ton cœur. C'est pour cela que tous les enfants t'aiment. La musique, c'est fantastique. On s'amuse, on chante, on rit. Sois passé, tu es notre vie. On t'aimera toujours, tu es notre ami. Pour chaque saison, il y a une chanson, on l'a aimé chanter, tu vas nous manquer, on sera extra pour ton opéra. Tu vas nous manquer, avec toi, nous avons aimé tous ces textes avec le cœur, nous avons chanté pendant des heures, nous avons chanté avec le sourire, nous avons pris du plaisir, nous avons chanté staccato avec une musique au piano. Patrice, tu nous manqueras, c'était très sympa d'apprendre tous ces chants. Merci pour tous ces moments, j'espère que tu reviendras, qu'un jour on te reverra. Tu as été un bon chef de cœur, avec toi on a passé des heures, tu nous as apporté de la joie, nous penserons beaucoup à toi. Tu as connu beaucoup d'enfants, tu nous as fait découvrir des chants, avec toi on a aimé chanter. Patrice, tu vas nous manquer. Tu nous manqueras plein. Pendant 5 ans, tu nous as bien aidé. Tu nous as appris à chanter. Tu es merveilleux à nos yeux. Et là, on veut te dire adieu. Tu es le meilleur. Tu resteras dans notre cœur. On espère que tu reviendras. Tu nous manques déjà. Patrice, c'est grâce à toi qu'on aime la musique. Tu sais être patient et gentil. Nous sommes tristes que tu partes aujourd'hui. Patrice, c'est grâce à toi qu'on chante en cœur. Tu sais te montrer attentionné, c'est pour ça qu'on aime chanter. Patrice, tu nous mangeras. C'était très sympa. Si j'aime la chanson, c'est grâce à toi. Toi qui chantes toujours dans la joie. Patrice, tu fais bien ton métier. Et en retour, tu es aimé. Après 5 ans passés dans la joie, on pensera toujours à toi. Tu vas à tous nous manquer, nous allons sans doute pleurer, mais tu dois savoir quand même que c'est pas grave, on t'aide. Bravo, merci maintenant pour ce témoignage. Vous avez pris de jolies choses. Alors Patrice, moi aussi, tu resteras toujours dans le souvenir de nombreux petits bonsoirs que tu auras fait ici à la musique et au chant. Et je t'en remercie très chaleureusement au nom de tous mes collègues présents et passés. J'en ai vu une dans la salle ici, que tu connais. Et merci, merci pour vous, merci pour les enfants qui m'ont aidé. Merci à vous. Nous allons continuer avec les cadeaux. Cette année, la municipalité a décidé d'offrir aux élèves de CM2 un dictionnaire à l'occasion de ce spectacle de fin d'année. Je vais donc demander aux élèves de CM2 de bien vouloir s'avancer. Il y a un instant pour le poteau quand même.
Et donc, je crois qu'il y a des élus qui sont là pour remettre un dictionnaire à chaque enfant. Merci beaucoup et encore.